Yo les amis, c'est Viker et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Resident Evil, toujours premier du nom. On est avec notre amie Jill Valentine's. Qu'est-ce qu'elle est bien modélisée quand même. Franchement ça va, hein. Le remaster il marche bien quand même, hein. Franchement elle est stylée, non? Regardez là. Et donc on est toujours à la recherche des portes qui vont s'ouvrir avec la clé armure, hein, que je vous rappelle qu'on a trouvé dans l'épisode dernier. Et donc là, j'ai vu que c'était une porte armure, donc on va pouvoir l'ouvrir celle-ci. Je suis pas encore allé de l'autre côté. Mais on va voir ce qui s'y cache. Alors on est dans une espèce de... je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a quelque chose inscrit dans le coin du tableau qui dit en mémoire de l'achèvement de la construction du manoir. Ah ouais putain, il est balèze, hein, sur le tableau là. C'est tombé le manoir, c'est un château en fait, c'est pas un manoir. Ok. Ah, on est dans un bar. Oh, au ruban, bah oui, super. Prendre le ruban encore. Oh, j'en ai 8. Oh, bah ça va, je peux en faire des sauvegardes. Un comptoir en bois de chêne, il dégage un parfum très agréable, comme du bon vin. Ok, là on a un piano. Il y a forcément un truc avec le piano, non? Oula. Un piano à queue luxueux. D'accord. Là, il n'y a rien. Comptoir en bois de chêne, ok. Apparemment, il n'y a rien. Continue. Oh, c'est quoi là? Il n'y a rien là? Oh, ça c'est sûr, ça va se pousser ça. Bah oui. Ah, trouver un truc. Vous ne pouvez plus porter d'objets, évidemment. Car je suis, encore une fois, plein. C'est bien dommage, parce que maintenant qu'on est là, il faut que je retourne à un coffre. Oh. Qu'est-ce que je vais pouvoir déposer? Pas le lance-grenade, je pense. Ouais. Le lance-grenade, hein. Quelque chose d'inscrit dans le coin du tableau. Non, non. Ça, on s'en fout. On va pouvoir repartir. Mais on n'est pas très loin du coffre. Donc à la limite, il me semble qu'on n'est pas trop loin, ouais. Oh là, mais non, ouais. Attends, mais quand ils se réveillent, ils sont vraiment plus rapides. Ou je rêve? Putain, il m'a rushé de ouf. Alors ça, c'est les corbeaux. À chaque fois, je me fais avoir. Ah, mais c'est incroyable. Attends, c'est bien ici, le... Ouais, c'est ici. Faut monter. Tac. Faut aller là, ouais, c'est bon. Et du coup, là, dans l'espèce de bar, c'est quoi ce livre? C'est chelou. Attends, c'est par où, du coup? C'est... J'en sais rien du tout, c'est par où, en fait? C'est par là, je crois. Mais pas du tout. C'est pas du tout par là. Ok, bon. Je me suis gouré de pièces. Attends, c'est par où? Comment je fais pour descendre? Là. J'en sais rien en fait. Je suis perdu, je te jure. Là au bout il y a une porte en plus. Je vais peut-être l'ouvrir avec la clé, mais si je commence à me disperser. Porte verrouillée de plus de côté, bah oui. Forcément. Oh là là, je me suis perdu. Mais je pense que tout le monde se perd en vrai. Je sais pas. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait le jeu. C'est un délire. On est obligé de se perdre en fait dans le jeu, genre.
comme à Venise en fait, si tu te perds pas t'as... Putain, y'a un zombie. Ah mais ils sont super rapides. Mais non. Mais quand ils se réveillent, ils sont vraiment super rapides. Bon, par contre, normalement, il prend une balle. C'est game over, quoi. Attends, je sais plus du tout. Je sais plus du tout comment on va au coffre. Oh putain. Vous avez entendu? Bordel, il s'est réveillé. Comment on va au coffre? Ah non, mais je suis pas du tout au bon endroit en fait. Attends. Comment on va au coffre? Là, je suis là. Je crois que c'est par là. Tac. Là, il y a des escaliers. Ok, normalement, c'est comme ça. Ok. Là, j'arrive là. Si je descends ces escaliers. Ah ouais, ok. Si je descends ces escaliers, normalement, j'arrive au coffre. Enfin, j'arrive dans la zone. Oh là là. Ils sont vénères. Ils sont vénères. Quand ils se réveillent, ils sont excités quoi. C'est des malades. Ah non, c'est un autre coffre. Mais tant pis, c'est pas grave. En fait, c'est pas celui-là que je pensais, mais tant pis. Moi, je pensais à l'autre, mais c'est pas grave. Vas-y, on va aller à celui-là. C'est pour ça que je le connaissais pas peut-être. Je croyais dans l'autre endroit. Oh là là, c'est chaud. Je perds la boule. Alors. Qu'est-ce qu'on va stocker? Ça, on va le stocker. Peut-être que ça, on va le stocker. Parce qu'en fin de compte, tant qu'on sauvegarde pas, bah, on n'a pas besoin. Le fusil. Le fusil, peut-être qu'on va le garder pour l'instant, je sais pas. Non, le fusil, on va le stocker aussi. Pour l'instant, on va stocker le fusil. Ouais, putain. En plus, contrairement au Resident Evil 7, j'ai pas l'impression qu'on puisse augmenter mon... J'ai pas l'impression qu'on puisse augmenter mon... Mon inventaire. Donc là, autre paire de manches est retournée dans le bar. Et ça, ça va pas être du luxe. Putain, il est déjà plus là le zombie que j'ai tué. Putain, il s'est relevé. Attends, c'est pas par là, c'est sûr, c'est par là. On va retourner dans le hall. J'ai l'impression de tourner en rond. Je te jure, c'est un truc de ouf. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Mais en vrai, je pense que la sensation que j'ai de m'y perdre, si j'étais vraiment dans ce manoir en vrai. Mais c'est pareil, hein, je me perdrais de ouf en fait. C'est sûr. Le truc il est tellement grand, il y a tellement des pièces qui donnent sur des pièces qui donnent sur des pièces. C'est un truc de ouf. Alors attends. Clac. Clac, clac, clac. Pourquoi les pièces... Ah, inexplorées. Ok. Inexplorées. C'est marrant ça. Quand c'est inexploré, c'est qu'il me reste des trucs à faire peut-être. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Vas-y, on va continuer par là. C'est peut-être ça le délire à capter aussi. Hein. Je me souviens, c'était... Hop là. Ah ouais, j'ai utilisé un couteau là parce que c'était... Mais... Putain, j'ai utilisé deux couteaux pour sa tronche à lui là. Merde.
Il me reste combien de couteaux? Deux. Mince. Je voulais pas en utiliser deux. Je sais pas, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur L2. Et du coup, voilà. Deux couteaux dans sa tronche. À t'apprendre, mon gars. Vas-y, on va récupérer le livret là. Attends. Tac. Ah bah, il s'est remis comme avant lui. Tranquille, quoi. Ok. Prendre la partition musicale. Ok. On va l'examiner comme tout ce qu'on trouve. Ressenti du sonate au clair de lune. Ok. Bon, on va l'utiliser devant le piano. Hein. Je pense que ça, ça paraît logique. Piano à queue. Utiliser ceci maintenant. Sérieux? Piano à queue luxueux. Ok. Attends, tu veux me dire qu'on a trouvé une partition musicale, mais qu'elle sert à rien? Trop chelou. En plus, la pièce est toujours en inexplorée, donc il y a forcément un truc à faire avec le piano. Ça serait trop bizarre le contraire. Non? Ok. Bon, bah trop chelou en fait. Je pensais qu'on... Ok. Non, bah trop pas en fait. Je me suis dit, tiens, j'ai trouvé un truc. Mais non, c'est raté. Bah c'est pas grave, on va continuer. Hein. Par contre, mais attends, me dis pas que je suis encore full, hein, parce que... Non, ça va. Ok, donc si on continue... Oh là là, j'en peux plus, mais moi j'en peux plus d'aller dans les... Dans le menu. Là, il y avait une porte là, je me souviens. Ah, la clé épée. Ah, bah oui, on va l'acheter. Oh oui, clairement. Ça fera de la place, j'adore ça. Donc, la clé épée, oula. On est dans la cuisine. Putain, ça pue du cul ça. Un morceau de viande d'origine inconnue. Putain, il se passe quoi dans cette cuisine, les gars? Un poignard. On va pas cracher dessus. Là, il y a des munitions. Oui. Ok. Des asticots grouillent dans les plats. Putain, mais elle est dégueulasse cette cuisine. C'est cauchemar en cuisine là. Et Philippe Echtebest, il serait pas content. Hein. Putain, les gars, je vais vous dénoncer. Hein. Oh non, mais alors lui, c'est sûr qu'il va se relever. L'alimentation a l'air d'être coupée. Faut la remettre. Faut la remettre tout simplement. Faut la remettre. Comment on met l'alimentation? Ok, là, je crois qu'il y a une porte là. Ouais, il y a une porte ici. Porte est verrouillée depuis l'autre côté. Des épices que vous ne connaissez pas. Attends, mais je suis pas con, je connais les épices quand même. Ok, donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas rétabli le. En gros, le générateur, l'ascenseur il pourra pas bouger. Hein. Donc pour l'instant, on peut pas faire grand chose dans la cuisine. Oh! Putain, mais ils me font flipper avec leur. Avec leur cinématique là. Oh merde! Ah l'enfoiré, il me bouffe la jambe! Bah voilà, ça t'apprendra. Attention, attends, on va prendre de. Bon, attends, on va attendre parce qu'on va paniquer le. Ils font peur avec leur cinématique là. C'est bon, je peux passer là, oui. J'avoue, leurs cinématiques elles sont angoissantes. Hein. Sans déconner. C'est tout pixelisé, mais ça fait peur.
Là, je crois qu'on peut pas y aller. Ok. Là, si je continue tout droit. Machine à écrire, tatati-tatata. On s'en fout, quoi. Ça, tac. Je crois que je vais retourner dans le hall. Hein. Je crois que je vais retourner dans le hall. Je claquerais bien une petite sauvegarde quand même. Ça fait quoi? Ah merde, j'ai pas de ruban. Ah bah ouais. Ça c'est con. Putain, je manque de vie, en plus je sauvegarde pas. Putain, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon les gars. Vous savez que ça. Ça c'est pas bon du tout. Cette porte là. C'est rouillé. Un casque. Donc là il me faut la clé casque, de toute façon, pour continuer. Et là, si je vais par là, tac tac tac. Faut que je monte. Hein. Mon avis. Là, il y a quoi par là? Non, là c'est pour aller dehors. Et là. Là, il y a là les portes que j'ai pas ouvertes. Hein. Je vais aller par là en fait. Je pense que c'est par là. Il y a là les portes rouges. Genre celle-là. Et ben voilà. C'était un exemple. Parfait. Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Alors attends. Là, il m'a dit en gros, faut que j'aille là-bas. C'est là-bas qu'il y a du sérum. Ok. Donc là, je suis où? Je sais même plus. Ah ouais. Et alors je peux pas y aller du coup. Si je peux y aller. Oui, va me tège. Non, je peux y aller. Attends, je vais prendre le soin quand même. Tiens bon, je reviendrai te chercher. Ah mais il faut aller chercher le sérum, donc je suis obligé de l'aider en fait. Le bâtard. Le bâtard, le bâtard. Donc. Attends, on va quand même continuer hein, maintenant que je suis là. Vous avez utilisé la clé armure. Allez, c'est royal. On ouvre toutes les portes. Oula. Oula là. Ça sent l'emmerde ça. Malheur à ceux qui touchent et osent toucher mon sommeil. Appuyez dessus. Non, 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 non. Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre.
Non, 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 on va pas jouer au con là. Je crois que je vais me faire découper en plus. En plus, j'ai pas sauvegardé, clairement. On va remettre ça plus tard. Si vous êtes d'accord. Ok, donc là, que je me situe un peu, on est où? On est là, il y a une grosse pièce, c'est important, faut y aller. Après, on va continuer par là. Et par là. C'est quoi ce bruit là? Putain, y'a un truc qui monte là. Putain, il va trop vite. Ah, j'ai bien eu. Je suis content. Oh merde. Attends. Parce que là, je suis en attention. Je vais courir. On va être prêt. Ouf. Aïe aïe. Non, mais ça abuse. Purée. Eh, ils sont vénères. Hein. Enfin, peut-être que je commence à les brûler. Hein, parce que là, ils commencent à me faire mal. Hein. Alors du coup, ouais, on va continuer. Oh merde, mais non. Putain, merde. Oh putain, et ouais, je suis parti direct. Oh. Ah, t'as pas envie de crever, t'as la pression. Vu que les souvenirs, elles sont limitées. Allez, on va se faire une petite potion, là, ça tombe bien. Tac, oui. En plus, là, il y a du rouge. Parfait. On va faire une petite potion sympa. Combiner. Voilà. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une grande éraflure contre le mur. Ça ne semble pas être l'œuvre d'une de ces créatures putréfiées. La musique a changé. Je ne sais pas si c'est important. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien dans les tiroirs ni sur les étagères. Trousse de premier secours. Ok. Voilà, regardez la trousse. Rien d'inhabituel. Je peux pas l'ouvrir, genre. C'est juste. Merde. Trousse de premier secours. Rien d'inhabituel. Bon. Est-ce que c'est pas là que je devais aller là justement? Non, pas du tout. Ah, du ruban, pas mal. On pourra sauvegarder encore. On dirait que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir en hâte. D'accord. Putain, ce qui est chiant, c'est que tu vois, ça reste en inexploré. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ces empreintes de pas semblent traverser le lit. Hein? C'est chelou ça. Pourquoi il dit ça? Pff, c'est trop bizarre. J'ai trop l'impression de... Ah ok, c'est pour ça que c'était en inexploré. Et là c'est bon ou pas? Ah ouais, là c'est bon. C'est passé en gris. Ok, donc tant qu'il te reste des trucs à trouver. Tant qu'il te reste des trucs à trouver, la pièce elle reste en rouge en fait. Bon, c'est déjà une première indication. C'est déjà mieux que rien. Je découvre ça après 3 épisodes. Tout va bien. Attends, là il y avait encore un truc là, il y a une porte là. Crochet de serrurier, allez bim. On avance. Je sais pas trop où on va pour l'instant, mais
Oh. Il y a des trucs là. Alors attends. Attends. Testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur. Le haut a été déchiré, le reste de la lettre est encore visible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé, je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai que d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé les yeux à jamais. Je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste. Je suis dévoué, Martin Crackhorn. D'après l'odeur, ça a quand même dû abriter des êtres vivants. Peut-être s'en servir. S'en servait-on pour élever des sortes de créatures. Un crochet. Putain, je peux pas l'utiliser. Non mais ça c'est important ça. Faut que je le prenne le crochet, je suis sûr. Le crochet il est utile, c'est obligé. Un hameçon. J'utilise le truc. Non. Attends, on va l'examiner. Un hameçon de pêche. Wow. Une blouse blanche du laboratoire est suspendue. Non plus, putain, y'a là les trucs, les gars. Ah, y'a un bouton en dessous appuyé. Rien de ce projet. Cela a-t-il un rapport avec les spécimens d'insectes? J'en sais rien. Encore une fois, j'ai trop de trucs sur moi. J'ai trop de trucs sur moi et du coup, je peux pas. Là, j'ai chopé l'hameçon. Mais là, il y a un truc avec ça. Là. C'est sûr. Putain, c'est chiant. C'est chiant cette histoire de mallette en vrai. C'est mort hein, pour l'instant. Wow. Pourquoi je peux prendre plein d'insectes? C'est trop chelou. Différents leurres de pêche. Ok, non, peut-être qu'il faut que je prenne des insectes et que je. Je sais pas, que je mette un hameçon dessus, j'en sais rien. En tout cas, il y a un délire avec l'hameçon et les insectes, c'est sûr. Se casser d'ici. Putain, y'a un zombie qui arrive. Enfoiré. Mais si je le tue, je vais niquer toutes mes balles. Ouais, bah là je suis full de foule en plus. Hein. Cheminée sans feu, peut-être qu'il faut l'allumer avec le briquet. Je ne sais pas. Donc je suis obligé de retourner par là en fait. Là il y a la zombie. J'ai même pas le fusil là. Putain merde, tant pis. Hein. Tant pis, j'ai peut-être utilisé un poignard. Tac. Je continuais tout droit. Non, je descends. Ouh, raté. Ah bah là, il y a un coffre. Parfait. Je vais pouvoir stocker des trucs. Puis récupérer les hameçons quand même.
Hop, oh, c'est quoi tout ça? Vous avez vu tout ce qu'il y a par terre? Vous ne pouvez plus porter d'objets. Oui, bah d'accord. C'est un délire. Qui m'a déposé tout ça? C'est cool. C'est quoi? Des trucs de premier soin, on dirait. Alors, ça, je vais le... Je vais le mettre là-dedans. Ça aussi, je pense. Premier, se trouve de premier secours. Ouais. Je vais mettre là pour l'instant. Ça, je vais le prendre. Spray de premier secours, oui. Munitions de lance-grenade. Bien sûr, je vais le prendre. Grenade incendiaire. Par contre, je vais tout mettre dans le... Le coffre, il est pas illimité, mais il a l'air quand même vachement grand. Et encore un truc de premier secours. Ok. Parce que là, je suis comment? Je suis en normal, ça va. On va rester comme ça. Tac, voilà. C'est good. Je vais peut-être brûler les cadavres quand même. Ah mais j'ai pas pris le briquet, c'est vrai. je vais retourner à la pièce où il y a les hameçons, histoire de voir ce que ça fait là. Oh le relou. Putain il va vraiment vite hein. Je vais l'esquiver. Ouais pas du tout. Il va trop vite. Pas trop vite cet enfoiré. Là, je t'ai esquivé mon gars. Bah oui. Je suis comment là? Ça, je suis toujours en normal. Alors, on y retourne. Bah non. Ah, c'était ici. Sérieux? Ah ouais, c'était ici. Bah tant pis, on y retourne. Au pire, ça, je le prends et puis j'utilise rien. Au pire du pire, si l'autre il est toujours là, il sera toujours là de toute façon. Tu sais qu'il va me brusher la tronche en plus cet enfoiré. Hop là, oh là là, oh je lui ai fait une esquive, il a rien compris. Droite gauche, tac tac, accroché. Il a pas capté. Ok, donc là on est là, il me semble que c'est par là, pour voir les insectes. Je sais pas du tout ce que je vais y foutre, mais c'est pas grave. Ah non, c'est pas là en plus. Mais non. Mais non, non, non. C'était pas là. Je crois que c'était en face alors. Genre là? Ouais, c'est ça. Ok, bon. Là, on peut récupérer ce truc. Ah, leurre. C'est un leurre. Des spécimens d'insectes. Il y a un bouton dessous appuyé. Rien de ce projet. Ok. Attends, parce que le truc, on va peut-être l'examiner quand même. Il ne possède pas d'hameçon. Peut-être faut que je le... Oh. Un leurre d'abeille. Ok. Génial. Trop bien. Et ça, du coup, spécimen d'abeille. Ok. Et je fais quoi avec ça maintenant? Ça a un rapport avec les spécimens d'insectes? Est-ce qu'il faut que je... Faut que je le mette dessus? Rien de ce produit. Bah non, ça marche pas. Putain, c'est chelou ça. Différents leurres de pêche.
je pensais qu'en le remplaçant, peut-être c'était bon, tu vois. Bon, c'est chelou. Bah non, on va pas appuyer. Par contre, on va essayer de mettre celui-là, du coup. Oui. Oh, alors rien ne se produit. Merde. C'est quoi le truc, là? Il y a forcément un truc. Donc là, ça sert à rien, de toute façon. Ah, faut peut-être que je les inverse, en fait. Attends. Merde, non, c'est pas ça. Je voulais pas faire ça, en fait. Genre, si lui... Attends, c'est pas les inverser, c'est genre lui je le mets là, et l'autre je le remets où il était. Un truc comme ça. Attends, tac. Utiliser. Voilà. Ah mais là je les ai pas inversés là. Non, non. Tac. Oui. Rien ne se passe. Non, en fait faut inverser. Mais oui, je suis con. Mais oui, je suis trop bête parce qu'en fait, eux, ils ont pas d'hameçon ici. C'est de l'autre côté qu'ils ont. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, c'est eux qui ont des hameçons. Voilà, lui, on le prend. Eux, ils ont tous des hameçons, en fait. Là, il y a des leurres. Donc lui, c'est un leurre. Donc lui, on le fout là. Et l'autre, on le fout sans... Voilà, sans rien, comme ça. Voilà, tel quel. Allez, c'est bon, yes. C'est quoi ce truc? Oula. Putain, je me fais attaquer par une abeille. Attends. Oula. Symbole du vent. Oula. Ah, je suis parti direct. Franchement, les abeilles dans le jeu vont trop mal. Dans Resident Evil 7, elles faisaient trop mal là avec la maman Baker. Ok, donc là, attends, on est où? Je suis perdu. Là, on a récupéré un truc du... Attends, on a récupéré un symbole. Je sais même pas ce que c'est. Je vais regarder. Utiliser, non, pas utiliser. Examiner. Symbole du vent. Je me rappelle pas avoir... cette unicode représentant le vent. Ok. Bah écoute, je me souviens pas avoir vu un truc comme ça. Non, j'ai rien à faire dans cette chambre. Je me souviens pas avoir un emplacement comme ça. De mémoire. Après, ma mémoire, est-ce qu'elle est? Alors on va repartir par là parce que je crois qu'il y a le zombie encore qui est là. Il faut vraiment que je les crame. Hein, parce que sinon ça va pas marcher. Il faut que je récupère le briquet en fait. À un moment donné. Attends, faut juste que je sache par où je vais. Faut que je prenne l'escalier à droite là, tout droit. Oh aïe aïe aïe, il fait trop mal. En plus il est descendu. Tac. Allez, direct. Direction le. La sauvegarde. Allez. Attends, là on réfléchit. Je crois que je vais claquer une petite sauvegarde en plus. Parce que là, clairement, ça je vais le... Ça je crois que j'en ai pas besoin pour l'instant. Tac. Ça c'est la clé, on en a besoin. Sinon il l'aurait tège. On est comment là sur la vie? Attention, on va l'utiliser. Voilà. Ensuite, on va claquer... Une petite sauvegarde parce que j'ai pas de ruban depuis tout à l'heure et je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de sauvegarde, mais c'est incroyable. Gourde, par contre elle est remplie la gourde. Hein. La gourde elle est remplie. Mais attends, est-ce que je l'ai le briquet ou pas? Non, je l'ai pas. Hein. Oh. Je vais où moi? Désherbant, fusil, machin, ruban,
Ok, non mais c'est bon. Ruban encreur. Attends, je vais essayer de les combiner parce que sinon c'est le 24, je peux faire 24 sauvegardes. Ça devrait faire quand même. Ok. Joyau bleu, tout ça, ouais, faut pas que j'oublie tout ça non plus. Plaque en bois, ok. Ah oui, attends. À la base je prenais une. À la base je prenais un truc pour sauvegarder. Tac. Et après je vais le redéposer dedans de toute façon. Vous pouvez sauvegarder, oui. Je vais le mettre ici, tiens. Entrepôt, pavillon ouest. Voilà, ça c'est fait. Et je vais redéposer ça dedans. Et voilà. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Par contre l'autre il va me courir dessus encore là. Faut que je me grouille les fesses. Ah oui, elle y a croché sur moi là comme jamais. Oh merde, je peux pas passer. Allez, gros poignard dans la tête toi. Ça me permet de... Là je vais où là? À droite. Putain, je vais où? Par là. Allez, c'est bon. Putain, ils ont dit qu'il n'y avait pas de poignée sur la porte, les enfoirés. Alors là, on est là. Ah oui, faut qu'on aille là-bas. Faut pas oublier qu'il faut qu'on aille là-bas. Donc, faut retourner dans le hall. Donc c'est par là. Par là, là c'est la salle des statues, c'est le bordel. Je pense que je vais crever si j'y vais. Quoique je peux tenter, hein, parce que de toute façon j'ai claqué une sauvegarde. Non, non, mais vaut mieux d'abord aller chercher l'histoire du... pardon, du sérum. C'est pas là. C'est ici. Là on rejoint le hall. Voilà. Descends de toute façon. Tac, je descends. Donc là normalement c'est par là. C'est bien par là, hein. Ouais. Je sais jamais, c'est terrible. Je pense que même à la fin du jeu, je connaîtrai pas le manoir par cœur. C'est impossible. Donc là, non, c'est pas par là. C'est plutôt par là, je pense. Tac, et après. Ah, je peux pas y aller ou quoi? Là, il y a une porte, mais en fait, je peux pas aller. Ah merde, comment je fais? Merde, je suis pas sûr que je puisse y aller comme ça en fait. Que je monte pour redescendre. Ça c'est les corbeaux. Faut pas s'inquiéter, il paraît. Comment je vais faire pour y aller dans cette pièce là? C'est la loose. Oh merde. Oh c'est chaud. Attends, attends. Faut que j'aille dans la pièce là. Non mais les zombies faut que je les brûle, là. Sérieux, c'est trop la merde là. Il y en a partout et je vais utiliser toutes mes balles en plus. Pour leur vieille tronche là. Là comment je descends?
Ah oui, escalier. Oh purée. Ah mais non. Putain mais comment je fais? Si c'est ça. Et là c'est par là. Ah non, c'était la pièce juste avant. Tac. Voilà, là il y a le sérum normalement. C'est bizarre, je suis déjà allé tout à l'heure. Ah, c'est là. Ok, prendre le sérum. Yes, c'est bon, on l'a les amis. On a le sérum. Bon, on va le garder. Hein. Ça peut être utile. Au niveau de la vie, on est bien. Vas-y, on continue comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un endroit que je suis pas allé, genre là. Un tableau du manoir illuminé par un éclair qui déchire le ciel. Wow. Je suis pas allé par là. Il n'y a que des produits nettoyés à l'intérieur, l'odeur est assez désagréable. Je suis pas allé par là. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Ok. Let's go. Oh, petit ruban. Fait toujours plaisir. 6. Il reste encore plein de kérosène. Ok, donc ça c'est pour remplir la gourde. Ah, et on a quoi? Batterie au lithium. Ok. Oh. Fusil cassé. Ok. Là par contre je suis fou là. Non, pas encore. Mais ça sert à quoi ça? Attends, examiner. Là c'est pour une dose. Donc ça c'est le sérum, pas de problème. Examiner. Possible de tirer avec ce fusil cassé. Peut-être existe-t-il une autre façon de s'en servir. Alors dans un autre Resident Evil, on le mettait à la place d'un autre fusil. Et ça permettait de résoudre une énigme en fait. On prenait le fusil qui marchait, on mettait celui-là qui marchait pas et ça nous permettait de... Clé armure. Et ça nous permettait d'obtenir un fusil justement. Je sais plus si c'est dans le 7 ou dans la démo du 8 village. Alors. Une autre batterie au lithium. Ah, c'est pour le pistolet à impulsion, ok. Ça recharge le pistolet en fait. Oula. Le chandelier brille froidement, ok. Attends, on va recharger parce que j'entends des bruits chelous là. Poignard, oui. Il y a plein de places, il y a plein de recoins, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une inscription. Un tigre éreintant d'une lumière bleue et jaune. Ah. Bleu et jaune, tiens. Est-ce qu'il faudrait pas mettre... Ouais, non, je sais pas. Il y a un truc à faire avec lui, mais... Est-ce qu'il faudrait pas mettre le truc du vent jaune et le joyau bleu? Je dis ça... Je sais pas, hein. C'est le seul truc bleu et jaune que j'ai récupéré en tout cas. L'espèce de diamant bleu et le truc jaune qu'on vient de récupérer qui est un insecte. Ok, à voir, c'est où? C'est ici, ok. Ensuite, là il y a une pièce. Encore une pièce. Oula, il y a un cadavre. Mais c'est sûr, il va se réveiller. Possible de...
Oh merde. Putain, vous avez vu les placards? Oh, journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve, le chercheur, et alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché hors dur. Aujourd'hui, un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille de PC. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir du beau vivant. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5h du mat, Scott est venu me réveiller. Il avait vraiment fichu la trouille. Il m'a vraiment fichu la chaud. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Tatatatata. Oh. En gros, les mecs. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr, c'est lui, là. Oh oh. C'est quoi, ça? Batterie au lithium. Bah ok, c'est avec... Ok, par contre lui du coup il s'est barré, donc on peut ouvrir le placard. Possible de bouger là par quelque chose. Quelque chose coince. Comment ça quelque chose là coince? Ok. Bon, est-ce que j'ai tout pris dans cette pièce? On va regarder la carte. Ouais, c'est apparemment c'est pas mal là. Pour ressortir. Ok, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la porte du fond. Non, il me reste... Non, la porte du fond, elle va m'amener... là où je connais déjà, apparemment. Ici. Oh. Grosse pièce. Le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pomper de l'eau. Oui. Placer l'interrupteur sur quelle couleur? Rouge. Je sais pas moi. D'accord, l'eau est déjà en train d'être pompée. Arrêtez. Oui. Pomper de l'eau, oui. Placer l'interrupteur sur vert. Oh oui, d'accord. Oula, la plante a l'air vénère. Oula là. Mon avis, elle est pas très gentille, la plante là. On va pas prendre parce qu'après je vais être... Ouf, ah ouais, effectivement. Ouf. Attends, la plante. La plante, y'a pas un délire avec... comment ça s'appelle? Le fluide là. Le fluide, il disait que ça servait pour les plantes. Alors attends, parce que du coup... Faut retourner. Elle est où la machine à écrire? Elle est là. Faut retourner au coffre, je vais prendre le fluide. Ouais, c'est juste faire le tour. Voilà, c'est juste là, ça va. Je prends le fluide. Voir si ça change quelque chose. Alors il est où le petit fluide? Tiens, je prendrais bien le joyau aussi. Attends, on va mettre ça de côté. Ça, pareil. Clac. Le sérum, je pense que je prendrai après aussi. Et là, on va prendre juste ça, on verra. Si
j'en ai besoin est désherbant. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pas le fluide, le désherbant. Parce qu'il disait que ça servait pour les plantes. Donc là, clairement, on est dans une serre. C'est par là, hein. Ouais, c'est par là. Tac, on va dans le fond. Par contre, le fluide, je sais pas où le mettre. Je le mets sur la plante ou sur... Genre, je le mets là. Utiliser ceci maintenant. Utiliser ceci maintenant. Aïe. Pomper l'eau. Pomper l'eau. On va mettre sur rouge. Ah mais là, je peux pas m'approcher. Arrêtez, oui. Non, ça, ça sert à rien. Et si je mets sur vert? Complètement. Putain, mais quand je suis arrivé, elle était pas comme ça la plante. Arrêtez. Oui, arrêtez de pomper. Ah ouais, non, elle me fait trop mal. Je peux pas avancer en fait. Mais je suis sûr faut l'utiliser. Peut-être le mettre sur le tuyau, je sais pas. Comment j'utilise le désherbant, c'est ça le délire. Tac, couvert de cette pompe à eau est ouvert. Peut-être il faut que je fasse ça. Ah voilà, ok, il fallait les mettre dans le bac. Et donc là, je le mets sur le rouge. Ah c'est bon là, là elle a mal là. Ok. Du coup c'est bon. Oh. Oh mais c'est un masque. Yes. Oh on a récupéré un masque. Oh. Rien d'habituel. Ok. Bon bah on a un masque au moins. Sans yeux. Ok. Très bien. Eh ben écoutez les amis, on a récupéré un des masques, ça c'est pas mal. En plus on a pas mal d'herbes ici, donc ça c'est cool. On a pu avancer. Et ben c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, mettez un petit like si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour la suite des aventures de Jill. Ciao ciao.